Mathieu Tarissas, La Réunion TV. Monsieur Moine, comment vous explique qu'auparavant, il avait 82 000 mois d'emploi qui a été supprimé, si monsieur Jean-Hugues Ratenon la bataille, or que l'île n'est pas élue, et après, la bataille pour les RSTA, et puis pour le problème global de l'île de La Réunion, vous voulez qu'un simple citoyen, comment ça se fait que ce n'est pas les élus qui agissent? Eh bien, votre question est pertinente. Je vous connais. J'ai toujours dit, je ne veux insulter personne. Mais parfois, il y a des réponses qui peuvent être mal comprises. Alors, par avance, je demande à ceux qui regardent là de ne pas me tenir rigueur parce que je veux rester entier. En répondant à cette question, j'interroge à la fois la population et ses représentants. C'est parce qu'il y a une relation de confiance qui a été rompue entre nous et nos représentants. Et parce que nous mettons en place, nous désignons des élus qui ne le méritent pas. Nous sommes donc en cause. Et cette relation rompue a créé de la distance. Aujourd'hui, les citoyens, d'une manière générale, les citoyens sont dans le doute. Ils ne croient plus en leurs élus. Et c'est la meilleure démonstration, le fait que j'en sois arrivé là. Ça veut dire qu'il y a un échec patent. Patent. C'est ce qui explique que ce soit un citoyen qui accepte de se sacrifier, non pas pour lui trouver des solutions, mais non, pour au moins essayer de faire en sorte que on s'arrête un instant et qu'on dise plus jamais ne sera rien, plus jamais ne sera comme avant. En tout cas, vous avez prouvé que le pouvoir est aux citoyens. Mais je n'ai rien prouvé. Le pouvoir a toujours été au peuple, à la population. C'est la population qui a abandonné son pouvoir aux élus. Et donc, il reprend le pouvoir aujourd'hui. Il reprend à travers cette action le peuple. La population de La Réunion a repris le pouvoir. Et donc, les élus auront à rendre des comptes où qu'ils soient à quelque niveau de responsabilité. Et ce serait aussi aux citoyens, désormais, d'exercer leur devoir de contrôle. Il est inscrit dans la Constitution. Les citoyens ont un devoir de contrôle qu'ils n'ont jamais exercé. En tout cas, merci.